Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu en titre, c'est un haul Primark. Je suis allée à celui de Marseille il y a juste quelques jours, donc je prends rapidement la caméra. Je profite d'avoir un petit moment en week-end pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, principalement pour les enfants, mais il y a aussi du femme. Il y a des trucs plutôt intéressants, il y a un gros coup de cœur pour moi. Donc voilà, je vous montre tout ça, comme ça je pense que c'est des produits que vous pourrez retrouver encore au moment où vous verrez cette vidéo. Voilà, on a Kayla qui est juste à côté de moi, vous ne la voyez pas, mais comme ça elle va voir un petit peu tout ce que je lui ai acheté aussi pour elle, parce qu'elle n'a pas vu. Et je pense qu'il y a en particulier un habit qui va beaucoup lui plaire. C'est là. Tu verras. Donc voilà, on s'adresse à plus et on commence tout de suite. Donc je commence pour Aaron. Donc je lui ai pris un basique d'abord, un petit sweat gilet noir. Voilà, parce que ça va avec tout, que le matin en ce moment il fait ni chaud ni froid. Donc en général je lui mets un t-shirt ou un manche longue avec un gilet. Et qu'il n'avait pas de gilet noir. Donc voilà, comme vous le verrez sur l'étiquette, il était à 7 €. Ensuite, j'ai pris pas mal des hauts basiques. Pareil, hein, c'est la, ils ont toujours une gamme de hauts. Alors pour les garçons c'est 2 €, pour les filles c'est 2,50 €, vous verrez après. Donc c'est un haut noir, voilà, avec une petite écriture New York en blanc. Voilà, c'est joli, c'est un truc qui va plutôt avec tout. Et ben voilà, c'est pas cher à 2 €. C'est pour ça que j'en ai pris plusieurs, puis je les ai trouvés très jolis. D'habitude j'en trouve pas autant qui me plaisent. Hop, chérie enfant. Je lui ai pris un haut rouge que je trouve trop beau. Et Aaron, c'est sa couleur préférée, le rouge. Donc il y a marqué future légende, always the leader. Donc toujours les leaders. J'en peux plus. Voilà, donc il est trop mignon. Et pareil, il est à 2 €. Il est bien qu'il s'incruste à un moment donné. Celui-ci, donc pareil, un des t-shirts à 2 €. Il est vert avec une petite écriture bleue avec un monstre. Ça, ça va beaucoup lui plaire. Hop, basique blanc. Alors au niveau des tailles, vous le verrez, mais j'ai pris du 4-5 ans pour Aaron. J'ai beaucoup hésité, mais c'est la taille qu'il met normalement. Donc voilà, je pense que ça devrait aller pour cet hiver. Un autre vert, mais un vert plus foncé. J'adore cette couleur aussi. Toujours pareil, à 2 €. I am the future et New York City. Voilà, je les ai trouvés très très jolis, cette collection. En tout cas, voilà, j'ai craqué complètement dessus. Ensuite pour Aaron toujours, je lui ai pris des jogging, des basics. Je les prends tout le temps en Action parce que ben, c'est la base, et puis c'est ce que Story. Ouais, c'est ce que Aaron met principalement en fait à l'école. Je ne mets pas des jeans, je mets des jogging dans lesquels ben, il est bien, hein, tout simplement. Donc je lui en ai pris deux noirs, basiques, voilà. Ils étaient à 4 €, donc c'est vraiment pas très cher. Ils sont doux, assez molletonnés. Alors je les ai pris en 3-4 ans et pas en 4-5 ans, parce que les 4-5 ans me paraissaient beaucoup trop longs. Et comme je lui ai déjà acheté des pantalons trop grands, je lui avais acheté à Lefties des jogging un peu dans ce style là en 4-5 ans, et ils lui vont beaucoup trop grands. Donc voilà, 3-4 ans, je pense qu'au niveau des pantalons ça ira. Je lui en ai pris un deuxième noir parce que c'est un peu la couleur qui va avec tout, justement les hauts colorés et tout. Je lui ai pris un bleu marine, pareil au même prix, à 4 €. Voilà, ça c'est la base, franchement, pantalon pas cher, pratique et joli. Et j'adore cette couleur, comment ça s'appelle cette couleur? Prune. Voilà, trop stylé, j'aime trop. Voilà, avec un petit haut moutarde, un petit haut vert, ça ira très très bien. C'est la couleur prune. Et enfin le dernier, qui était le plus cher, et c'était un peu un craquage, mais je sais qu'il va adorer, c'est un jogging donc gris avec... Toy Story. Belle d'éclair, le dinosaure. Il était à 10 €, donc voilà. Il a le sweat que je lui avais déjà pris dans mon dernier haul Primark, le sweat de Buzz Éclair, donc il ira avec, il va être trop trop content. Voilà, pour Aaron, encore j'ai trouvé des petits bonnets, donc un noir et un gris, parce que Aaron il est fan des chapeaux, des casquettes, et l'hiver du coup c'est les bonnets. Là c'était 2,80 € les deux, donc voilà, pas très cher, je pense que ça devrait lui aller. Et je crois que c'est tout pour Aaron, on va passer aux achats pour Kayla, maintenant. Donc d'abord la base. Alors je lui ai pris des collants noirs parce que quand elle met des robes l'hiver c'est un peu l'essentiel. Ouais, j'étais en train de regarder que j'aime pas les collants. Oui mais il faut bien en mettre quand tu mets des robes et qu'il fait froid. C'était 4 € le lot des 3, donc c'est vraiment pas cher, donc j'en ai pris deux. J'ai pris deux tailles différentes, pareil parce que je savais pas trop comment ça taillait, donc j'ai pris du 9-10 ans et du 11-12 ans. Je pense que les deux lui iront, mais bon, on verra bien. Ensuite j'ai pris des chaussettes courtes comme ça, noires. Alors c'est les tailles 37-42. Kayla est au 35 au niveau des chaussures, mais je pense que ça lui ira. Et en fait c'était pour faire un mix avec pour moi en fait, qu'on se partagera les chaussettes. Toutes les deux on a les mêmes chaussettes. Voilà, elles étaient à 3 €. Il y a 7 paires, donc ça reste un basique de chez Primark.
On va continuer avec les habits. Je fais une petite parenthèse dans le haul Primark, mais ça ne... il y a trois articles que j'ai pas acheté à Primark, mais je vous les montre quand même. C'était à Marseille, dans le centre-ville. Je suis allée dans une boutique où ils faisaient des fringues pour les enfants. Et du coup, j'ai craqué sur trois pièces. Donc je vous les montre parce que vous allez voir que ça va avec des tenues, des bas que j'ai pris à Primark. Donc voilà. Donc dans la petite boutique à Marseille, je lui ai pris ce petit haut-là. Vous verrez pas bien, mais il est blanc en dentelle. Il est hyper joli. Voilà. Et du coup, ça, j'ai pris à la boutique de Marseille. Et à Primark, je lui ai trouvé ceci. C'est pas trop beau. Une petite jupe en simili, en imitation à simili. Voilà, un peu resserrée. Elle était à 11 euros, donc voilà, c'est pas donné, mais ça va lui faire un super joli look. Je sais pas si vous... Comment je peux vous montrer ça? Voilà, ça avec la petite jupe, le petit col en dentelle, je pense que ça va être... On verrait pas bien. De toute façon, je vous lui mettrai, je vous ferai une photo sur Instagram. Voilà, donc la petite jupe, le haut dans la boutique à Marseille, je l'ai payé 13,90€, donc c'est pas donné, mais c'est vrai qu'il est très très joli. Hop. Et dans la boutique à Marseille encore, je lui ai trouvé un sweat avec un dessin d'Aladin. Bon, je vous avoue, les finitions sont pas topissimes, mais je savais que ça lui plairait beaucoup. Donc c'est une robe, hein, une robe sweat avec une petite capuche. Et je sais plus le prix. Ah, ça y est. Et elle était à... Il n'y a plus le prix. Elle était à 13€, il me semble, de mémoire. Voilà. Et ensuite, c'est le dernier article du magasin Marseille. J'ai craqué pour une jupe en tulle. Un peu longue, qui est canon. Je me dis que si elle avait un petit pour les fêtes ou si on allait à un mariage, je vais, du coup on a un baptême donc ça tombe très bien, je vais lui mettre pour le baptême, je viens d'y penser. C'était 12,90€. Voilà. Donc on repart sur Primark. Donc l'article que j'ai pris pour Kayla, qui était clairement un craquage, c'est un habit, c'est un pyjama de LOL, donc je vous le montre. Il est craquant, là il est tout pailleté. Vous avez le t-shirt, vous avez le tutu et le pantalon de pyjama qui est trop trop beau. Il était pas donné par contre, hein. Il était à 13€, donc ça va. Il est joli à 3 pièces. Voilà, il te plaît? Oui, il y a des jouets pour moi. Non, il n'y a pas de jouets, c'est que des habits. Je t'ai acheté tes jouets, tiens, tu peux le prendre si tu veux. Voilà, après on va couper toutes les étiquettes. Hein. Donc ensuite pour Kayla, je lui ai pris les hauts basiques pareil chez Primark, il y en avait des très jolis. Donc ils étaient à 2,50€, donc je lui en ai pris un kaki comme ça avec une écriture dorée. Hop. Un rose avec une écriture léopard New York, ouais, ils ont tous marqué New York dessus hein. Ou des films, des villes américaines, d'ailleurs c'était Boston. Un autre avec une petite licorne qui je sais va beaucoup lui plaire. Pareil, ils sont tous à 2,50€, donc c'était très intéressant. Il lui fallait surtout des hauts en manches longues, donc voilà, j'en ai profité. Alors vous allez voir, j'ai pris deux tailles différentes. J'ai pris du 11, 10, 10, 11 ans et du 9, 10 ans, parce que je savais pas trop quelle taille prendre. Celui-ci avec un petit lama aussi, il est très canon. Hop. Et il y en a un que j'ai tellement aimé que j'ai pris en deux tailles pour être sûr qu'il lui irait. Celui-ci, avec des petites fleurs. Voilà, j'ai pris un 10, 11 ans. Et en 9-10 ans, voilà. Comme ça, au cas où, s'il lui vend grand, ben, elle l'aura pour plus tard. Et puis au pire, s'il lui va petit, ben, je le revendrai ou je le donnerai ou j'en ferai cadeau. Voilà. Voilà, ils étaient trop mignons. Ensuite, je lui ai pris un sweat. Kaki encore, hein, toujours la folie du kaki, toujours. Living my best life. C'est-à-dire, je vis ma meilleure vie. Donc voilà, j'aime bien l'écriture aussi. Et il est trop beau. Voilà. Et ensuite, je lui ai pris une petite robe en sweat. Pareil. Avec marqué Brooklyn dessus en noir. Ça veut dire sport. Brooklyn, non, c'est une ville. Ça veut dire sport. Ça a une ville, mon cœur. Et voilà pour Kayla. Voilà, je suis en train de regarder ce qui me manquait. Je lui ai pris un legging basique, hein, c'est ce que j'ai toujours à Primark. 3€ le legging noir. Et je lui ai pris comme son frère un jogging comme ça. Il n'y avait pas d'autres couleurs, enfin il n'y avait pas sa taille en d'autres couleurs, donc je lui ai pris que le noir. Voilà, pareil, très joli, très pratique. Et Kayla met souvent des survêtements à l'école parce qu'elle fait beaucoup de sport. Et il était à 5€. Et vous avez le chien qui mange derrière, tout va bien. On passe à ce que j'ai acheté pour moi. Je me suis pris des chaussures. Alors j'ai eu énormément de mal à trouver des chaussures. Je voulais en acheter, j'en avais besoin. Et en fait j'en ai essayé plein là-bas. Le 41 qui est ma taille normalement était genre méga grand. Et le 40 m'allait petit. J'ai pas compris. Enfin bref. Et du coup j'en ai trouvé qu'une seule paire qui m'allait, qui était plutôt jolie, voilà, pour mettre avec des petites robes.
C'est des tennis genre imitation Vans, je crois. Enfin bon. Elles étaient pas très chères, elles étaient à 7€ et voilà, j'ai trouvé joli. Donc voilà, c'est mes petites chaussures que j'ai trouvées là-bas. Je me suis pris pareil, un classique de chez Primark, les chaussettes blanches à 2,50€ les 5 paires. Des collants noirs en 40 deniers à 4€ les 3 paires. Voilà, la base. Et ensuite, dans les basiques, j'ai pris des débardeurs. Donc un petit débardeur blanc et deux débardeurs noirs. Voilà, ça c'est pour mettre sous les pulls ou pour mettre sur certains hauts. 1,80€ pièce. Voilà, le craquage que j'ai eu, c'est pour un pyjama. Voilà, j'ai hésité, j'ai failli prendre un pyjama Disney comme je prends d'habitude. Et je me suis dit quand même, t'as 30 ans, on va arrêter d'acheter des pyjamas Disney. Et en fait j'ai craqué sur celui-ci que j'ai trouvé juste trop beau. Donc vous avez le haut comme ça, il est vraiment très très doux au toucher. Et le pantalon est comme ça. Donc le pantalon il est quand même, sa taille super grand hein. Par contre au niveau des tailles, il est trop joli. Je l'ai mis cette nuit du coup. J'ai pas attendu. Et du coup, ben, je suis trop bien dedans. Donc voilà, je vous les conseille. Ils sont vraiment très beaux. Ils étaient pas très chers. Ils étaient à 13€ l'ensemble. Donc je trouve ça voilà, quand même raisonnable. Il était. Voilà. Moi j'ai craqué. J'adore le motif. Il est trop beau. Ensuite, voilà. En habit, j'ai pas trouvé grand chose à Primark. Alors j'ai pris un gilet. J'ai pris plus que ma taille. Mais c'est pas grave, je vais le voir tes looses. C'est parce que ben, c'était le dernier. Donc voilà. J'ai adoré la couleur. C'est cuivre un peu. Il sort un peu plus clair à la caméra que ce qu'il a en vrai, mais il est un peu plus foncé, mais il est trop joli avec des petits boutons dorés. Voilà, je me suis dit que pour mettre ben justement avec un petit débardeur et tout, même s'il est grand, même s'il tombe un peu sur une épaule, c'est pas très très grave, il est trop beau. Et du coup, il était à 10€, donc voilà, pas très très cher. Voilà, j'ai pris que ce petit gilet là et un gilet aussi basique. Alors il l'avait en plein de couleurs différentes, il était à 12€. Voilà, c'est un gilet, vous voyez, coupe droite avec des manches, avec des petits boutons et avec une petite poche. Voilà, c'est des basiques, mais c'est vrai que les gilets noirs, j'en ai qu'un qui est vraiment très très grand et qui fait un peu pyjama quoi. Donc bah, je me suis dit autant en prendre un propre et nickel. Voilà, voilà. Jouer. Donc c'en est fini pour Primark. Je vous montre ce que j'ai pris à Intersport. J'y suis passée, ben, pareil à Marseille. Sport, c'était pas du tout prévu, mais du coup je vais craquer pour un ensemble de sport pour moi. C'est donc un petit haut comme ça. Bon, pareil, la couleur sortira pas bien la caméra. Il est un peu plus foncé que ce que vous voyez la caméra. Il est orange très très clair, rose très très clair. Là c'est à peu près la bonne couleur. Voilà. Et j'adorais le motif de rose qu'il y avait dessus. Il était à 14,99€ au lieu de 24,99€. Donc bon, voilà, je fais un petit kiff. Et du coup j'ai pris le legging qui allait avec. Et c'est le legging sur lequel j'ai complètement craqué. Je vous montre, bon, c'est un legging noir hein. Mais voilà, vous avez la petite écriture Adidas avec la petite rose là. Voilà, il est trop trop beau. Et pareil, le legging soldé, il était à 24,99€ au lieu de 34,99€. Voilà, ça a été mon craquage du jour. Donc voilà, c'est tout pour ce haul Primark. J'ai été beaucoup plus raisonnable que d'habitude. Je pense que vous l'aurez constaté. Mais en tout cas, je suis très contente parce que j'ai trouvé plein de trucs pour les petits dont ils avaient besoin. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Vous voyez un petit peu la collection actuelle et il y a de très très jolies choses. J'ai pas regardé au niveau des bébés et j'ai pas regardé au niveau de la maison. Mais il y a toujours. J'ai ma meilleure amie qui a pris une parure de lit Mulan qui est juste magnifique avec un petit coussin pour enfants. Hein. Et c'était trop trop beau. Voilà, il y a toujours de tout. Donc voilà, je vous laisse là. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter comme d'habitude. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!